Allez, décollage, ça c'est fait. Bon, salut Sébastien Labbé, vous êtes bien sur Lab TV. On se retrouve en direct de l'Oregon, en direction. On a pris la direction des États-Unis. Je suis monté dans un avion cette nuit. Et nous voilà en Oregon, dans le Far West. Non, bien entendu, vous l'avez compris, nous sommes toujours dans l'Hérault. Nous sommes à Clermont-l'Hérault, exactement, sur le lac du Salagou. Donc un petit coucou là au-dessus, et nous allons aller rider. Voilà, j'avais envie de changer, j'avais envie de vous faire voyager sans partir trop loin. Eh bien, nous allons découvrir ensemble le spot du Salagou. Donc je suis arrivé au lac par le côté Clermont-l'Hérault. J'ai pris la direction de la base de loisirs, et une fois à la base de loisirs, j'ai pris la direction du Wind 34, qui est donc la base windsurf. Vous avez une espèce de parking plus une aire décollage. Alors c'est plus windsurf que kite, hein, faut bien le dire, mais on va dire que on s'en accommodera. Vent très rafaleux ici, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Je suis en 9 mètres, donc là 9 mètres, bon, les rafales, laissez tomber, c'est le Salagou. Donc je suis en 9 mètres brise. Et ma foi, on va bien voir. Donc, sol un peu glissant pour se mettre à l'eau. Quelques arbres autour. Donc attention surtout dans ce vent rafaleux. Mais sinon, sinon on est pas mal, hein. C'est très très beau. La terre est rouge, vous l'avez vu. Donc ça, c'est la particularité de l'histoire. Alors là, je suis en bout d'étang. Donc attention, pareil, le sol qui glisse à la mise à l'eau. Et là, par exemple, faut que je fasse gaffe, parce que si je pars et que je prends une grosse molle, j'aurai du mal à ressortir de l'eau, puisque en dessous de moi, il y a uniquement une zone avec des arbres. Donc c'est un petit peu sport. Donc on va vraiment attendre la rafale pour se lancer, et on va essayer de remonter au vent. Vous le voyez là-bas derrière, il y a un peu plus d'air, on voit que ça moutonne. L'eau est fraîche. L'eau est fraîche, bon, on est quand même mi-décembre, hein. Donc c'est un lac, donc ça se refroidit très vite, et ça réchauffe aussi très vite. Ma foi, attendons la rafale, parce que là pour l'instant je suis dans une molle pétolesque, et ça donne pas trop envie de se lancer. Pour finir à la plage en dessous et revenir à pied là, c'est pas trop le kiff. Alors au niveau du plan d'eau, on voit que c'est gros clapot serré. Allez, une petite rafale. Ça va être tendu, les enfants, c'est pas très fort quand même. Bon allez, c'est parti. On va essayer de water startiser quand même. Oh non, il n'y a pas d'air là. Alors j'attends un peu. Bon, profitez du paysage en attendant. Le système de micro est le même que sur les dernières vidéos, donc normalement le son devrait être correct. Alors le problème sur un lac comme ça, c'est le vent, hein. Il y a des reliefs tout autour. Forcément, on le sait, c'est plus chaotique. Donc les prévisions aujourd'hui, c'est 17-25. C'est pour ça que je me suis mis en 9 mètres en me disant c'est rafaleux. Il y a des rafales certainement au-dessus des 25. Le problème, c'est quoi là, quand on est dans des périodes de molles, c'est pas grandiose. Bon. Allez, on tente quand même. Ah, départ. Ah si, on va essayer d'aller choper un peu d'air. Alors pour l'instant, c'est pas fou, et je perds du terrain. Wouhou, c'est carrément pas fou du tout, les gars. Je vais revenir à pied. Je suis bien parti pour revenir à pied. Allez, on va virer tout de suite pour revenir à la plage si possible. Il va bien falloir choisir les moments où je me fais à la flotte. Et là, typiquement, bah, c'est pas le moment. Donc, on va se remettre ici, on a pied. Et on va attendre que ça reparte. Bon, c'est vraiment un bel endroit, hein. J'ai l'impression que ça arrive un petit peu.
prendra cette vidéo hein, comme une visite touristique. Ça risque de pas être très très technique, mais bon, ça valait le coup de venir naviguer ailleurs. J'en avais un petit peu marre d'être tout le temps à la maison, vu que bah pas moyen de voyager plus loin. Je voyage dans mon département. Allez, ça a l'air de repartir. C'est ultra rafaleux, c'est dingue. Mais là, cette fois, c'est parti. Youhou ! Ah ouais, on se gave avec les sous. Il y a limite des petites vagues. Si le vent arrive à se caler, on va pouvoir faire des sauts. C'est canon. Youhou ! Ah ouais. Ah là, j'ai chopé le couloir devant. C'est un régal. Allez, on se replace. Voyons voir si on arrive à remonter au niveau du camion. Écoutez, oui, ça m'a l'air pas si mal que ça. Bon, bah du coup, on va prendre un peu de marge. Donc quand vous êtes comme ça, vous avez une petite plage. J'ai beaucoup de gens là qui viennent souvent à l'école, qui naviguent au Monténard ou des choses comme ça. Quand vous avez une petite plage et que du coup, il y a pas mal d'arbres autour, essayez dès que possible de remonter au vent pour être au vent de votre zone de décollage. Ça vous permettra d'être plus à l'aise si jamais il y a une baisse de vent et de redescendre tranquillement vers votre point de départ. Ah, j'adore, ça change. Ah, ça fait vraiment plaisir. Donc là, je disais tout à l'heure, on est du côté de Clermont-l'Hérault, donc c'est dans le département de l'Hérault, une petite demi-heure de Montpellier. La particularité donc du lac, c'est que la terre est rouge tout autour, donc parfois le lac paraît rouge. Là, je sais pas ce que dans les lignes vous verrez, mais peut-être que vous verrez une couleur un petit peu rougée au niveau du lac. Vous avez une base de loisirs, donc juste là, pour ce qui est des activités voile, canoë, kayak, etc. Tout devant moi, là, une partie plage pour les activités d'été, on va dire, pour venir en famille se baigner quand la mer est trop froide. L'étang est souvent à une bien meilleure température. Les montagnes tout autour, avec là au-dessus de Lyonson un site de parapente, donc moyen de venir faire du parapente aussi. Ah, ça fait plaisir depuis le temps que j'avais envie de revenir naviguer ici. Ça commençait mal et finalement en fait c'est rafaleux, mais plutôt propre pour une 9 mètres. Je suis super bien là. Bon, je suis quand même dans le premier tiers de ma barre, donc pas très très toilé, mais franchement ça le fait bien quand même quoi. Donc on fait attention aux arbres bien entendu, parce que là vous foutez une ligne là dedans, vous êtes mal engagé. Là j'ai une petite baisse de vent, je le sens, donc heureusement j'ai pris de la marge par rapport à mon spot de départ. Donc vous voyez, il est juste là en dessous. Maintenant vous ne le voyez pas forcément. Bon, peut-être on se fera une vidéo 360 tout à l'heure si le vent est meilleur. Et donc il faut toujours, voilà. Là j'ai senti la molle arriver, effectivement. J'ai très nettement une perte de vitesse. Donc là, vu que je suis au vent, je me permets de m'éloigner. Mais si vous voulez éviter le walk of shame, voire même le swim of shame, la nage de la honte, eh bien ne faites pas comme moi. Voilà. Là, j'arrive en milieu des temps, c'est très très mou. Et donc je vais tout de suite repartir vers mon point de départ pour être sûr de pouvoir regagner la plage si jamais le vent continue à tomber. Ouais, donc là il a changé un peu de direction, mais ça va. Je suis pas mal, j'ai toujours mon aire de départ qui est juste là en dessous. Par contre, on va s'arrêter un petit instant parce que là, ça a quand même fortement molli. Et on va attendre que ça reprenne un petit peu. Hop. Alors, c'est un spot plus de windsurfer hein, normalement, parce que le vent étant rafaleux, on va dire qu'avec le windsurf, on peut passer les moments de molle
grâce au flotteur. Mais franchement, si vous passez par là, n'hésitez pas à venir. Merde, je vois que le son sur le téléphone n'a pas marché, donc j'espère que vous aurez entendu grâce à la GoPro 7. Mais sur le téléphone, ça n'a pas fonctionné. Ma foi. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour cette découverte du spot de Salagou. Moi, je vais essayer de tourner, donc de vous tourner plusieurs tutos dans cet environnement qui va nous permettre de changer un petit peu, de voir des choses un petit peu différentes. Donc, je vous dis aussi bien là en bas que là en haut. Ciao! N'oubliez pas, Life is a Beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt, mes glissous, sur l'eau ou en dehors. Ciao!